et par Amiens. Et par validé donc avec tout de suite le numéro 5, Brian Chenvenus, qui s'est tout de suite emparé du commandement avec Cohen Strazel dans qui vient dans son dos en seconde position, juste devant Pierre Rosemary qui n'est pas loin du tout et qui va tenter de venir. On est là avec Smo, Land et Miss Pink qui est là également. C'est tout le Dame Fiesta qui ferme la marche du peloton actuellement. On est là également avec également Heatwave, les concurrents qui vont passer dans les tribunes, une allure très régulière dans cette épreuve. Cohen Steiner, Arthur Mack qui est en même peloton désormais. Brian Chenvenus en seconde position. On est en troisième position avec le numéro 4, Heatwave. Et qui vient également, alors qu'on est avec on est plus côté corps avec Smolen Instinct de Baptiste Darne Fiesta. Et également le numéro 2, Pierre Rosemary et Mathéo de S de Vaux, les concurrents qui vont aborder le tournoi au début de la ligne opposée. Toujours à Cohen Steiner en tête, mais on fait le forcing maintenant avec Cohen Strazel Danzel qui vient prendre l'avantage. Cohen Strazel Danzel qui a pris l'avantage. Cohen Steiner bien calé dans son dos à son extérieur maintenant en seconde position. Le troisième avec Brian Chenvenus. On est quatrième actuellement avec le numéro 4, Heatwave. Un petit peu plus loin, on retrouve Tristan Darn, la Fiesta en compagnie de Smolen Misming. Et on tente de quitter les derniers rangs actuellement avec Pierre-Henri Rosemary, numéro 2, qui aura abordé le tournoi en finale. Et pas de changement de table en tête. On a supporté le poids de la course avec Cohen Steiner, Arthur Marquet qui va tenter de se relancer. Mais on est bien calé dans son dos et on laisse souffler avec Cohen Strazel Danger, avec Brian Chenvenus, et qui est également Heatwave qui va tenter de venir devant Tristan Darn, Fiesta. Les concurrents sont maintenant à 200 mètres du poteau avec Cohen Steiner qui va tenter de repartir le plus belle avec Arthur Marquet, avec Brian Chenvenus et Heatwave qui termine bien aux abords du poteau. C'est fait pour Arthur Marquet, Cohen Steiner qui s'impose.